sur des questions stadio que enquête là t'est soulevée et nous t'est commencé et justement leur assemblée a venu apprécier premier rapport là et bien ils viennent demander pour que on l'autre rapport qui fait approfondissement même quoi question ça a éclairci et président pour mise en contexte pour nous faire pour tout le monde qui attend de nous monde qui a regardé sous question rapport Petro-Caribé et président qui ça rapport ça qui mission yote bay c'était garder cob qui dépensait dans Petro-Caribé de 2008 de septembre 2008 à février 2016 combien cob que nous te recevoir de Petro-Caribé et ça Petro-Caribé a c'est accord qui signé avec Venezuela côté le pétrole là justement baril de pétrole là dépassé $50 Haïti l'elle recevoir pétrole là que l'acheter de Venezuela eh bien li paye $30 sous baril là et $70 que le kembe en termes de dette pour des projets et de période 2008 à 2016 là nous recevoir $3,2 milliards 3,2 milliards ça gagné 1.5 mais 1,5 milliard calé dans question gaz on bagaille qui flou encore et DH a bien gaz compagnie a recevoir gaz alors que c'est pas pour ça qu'on l'a payé du tout mais sur qui ça nous insisté c'est sur 1,7 milliard qui est allé dans plus de 300 projets motion accordée et président sénateur collègue oui c'est pas gaz seulement non il y a payroll ESD tout. Ça. Merci. Merci. Justement, il y a payroll, puisque ESDA son compagnie que vous prenez pour faire et pour gérer les centrales qui sont naïves au Cap et centrales Cafoua. Merci, collègue. Y a, nous étions dans 1,7 milliard qui dépensaient. Et c'est sous ça, sous plus de 300 projets, ça yo, que nous avons regardé dans le premier rapport là. Comment vous passez? Mais là, nous avons fait justement, l'Assemblée a demandé pour y aller ni dans le gaz là, ni dans le pétrole, et pour approfondir le projet, pour aller plus loin. Et nous avons reconnaître que nous avons des limites dans le premier rapport là, puisque nous avons des côtés de Batka, nous avons des documents de Batka, et là, ça, nous avons accepté la décision de l'Assemblée qui après te mettons l'autre commission. Mais président, je dis à tout le monde d'accord. 1,7 milliard, il y a un problème. Et c'est peut-être ça, moi je crois que le débat ça extrêmement intéressant. Et ce n'est pas qu'on y a un nouvel problème. Moi-même, moi j'étais sorti dans la campagne, j'ai des collègues sénateurs que nous avons appuyé dans la campagne, si je prends collègue Augustin, tu as 5 millions pour deux paires qui ont dépensé, il n'y a pas où côté le passé. Tu as gagné dans il a vache. En question de l'aéroport, Maïsra a écrit, il n'y a pas de côté quoi la passer. Et quoi il a débloqué? Au CAI. T'es gagné. Motion, président. Président. Deuxième et dernière motion. Moi, je crois que je me dis tout à l'heure, et je me dis une probité intellectuelle pour me dire que la procédure ne peut pas faire marche arrière, mais dans le cadre de cette affaire, il est important qu'on fasse la lumière sur la forme quand même pour dire que. Il n'est pas fait dans les formes, même qu'on est que, il était qu'étant décidé dès le départ. Sénateur Yuri saute parler de 5 millions. Que moi-même, je ne suis pas satisfait de lui, effectivement, au niveau port de paix, qui était un plan spécial. Maintenant, approfondissement rapport ça, nous t'en qu'on est. Est-ce que au moins, il y a deux bagages sur lui? Parce que si on te fait pour approfondir, on t'a remis, ouais, effectivement, pour me garder recevabilité, à qui motivation, on va être capable d'approfondir qu'on y a. Est-ce que on t'a remis des commissaires, est-ce qu'on va approfondir sous ça que le sénateur a dit pour nous comprendre? Est-ce qu'il s'agissait véritablement d'approfondissement? On est content que le commissaire noté et intervention en sénateur. Kittler, là. Sénateur, la torture continue avec votre intervention. Oui, président. Donc, gagné en constante, président, que moi, quoi, qui existait et que il y a un pile problème qui posait la question projet.
Et, président, le problème est tellement existé. Il y a un ministre dans le gouvernement ça, qui pose des questions, par exemple, pour Paris Adam, ministre plan, M. Aviol Florent, lui a signé par rapport à des informations que vous avez gagnées dans le premier rapport. Là. Nous débattons des informations exactes. Donc ça veut dire que il y a des problèmes. Je dis à président, moi je n'ai pas dit que le rapport ça tout à 100% qui est correct. Moi j'ai droit de travailler sur le premier rapport. Il y a des informations qui viennent sortir après, nous nous assemblons. Moi pas d'accord avec toutes les informations. Parce que il y a des grandes compagnies, dans la question gaz, là, par exemple, que je ne travaille sur lui, moi je crois que je dois soulever yo, pour que le rapport à lui-même, eh bien, nous manions tout le monde. Parce que si vous pas manier grand compagnie, yo, ou à privé, ou à privé, il y a des compagnies qui manient, moi je pense que c'est petit compagnie, qui ont même qu'à victime dans la question rapport, alors que grand compagnie a quitté. Et pays, ça, faut nous jouer notre tradition pour que tout le monde. Et c'est peut-être ça, moi-même, personnellement, par rapport au premier rapport, et me dit ça par rapport au deuxième rapport, le, yo te man yon ti compagnie, Lambadé, qui fait 30 000 gouttes de profit, quand vous compagnie que le président Jovenel de la donne, moi dit, il n'est pas normal, d'ailleurs, il y a un appel de fouli, alors que les gros compagnie qui recevoir 400 millions de dollars de gaz chaque année. Donc, moi-même, moi connais que, au niveau de rapport là, faut nous manier pour nous qu'il y ça qui bon yo. Monsieur le Président, une demande d'acte. Non, tu ne peux plus avoir de une demande d'acte. Ah. Moi, je vais entrer dans une demande d'acte. Qu'est-ce que ça fait consigner ça à sénateur là, dans une dire. Je connais le pas bon, mais comme moi, tu es là dans le Sénat avec mon frère, je vais accepter lui. Je connais le pas bon, mais comme moi, tu es là avec mon Sénat, mon frère. Je me dis que là, il y a comme ça, nous fonctionner. Donc, Président, moi, je demande pour que. Je vais expliquer, collègue. Encore le sénateur Yuri. Je vais expliquer, collègue. Que il y a des acquis en dans rapport ça yo sous malfaçon comme qui détourné projet qui pas fait mais en même temps tout faut nous garder justement toute question parce que si nous gagnons des faiblesses assemblée là il ca trancher sous yo pour que nous arrivions dans situation que Sénat fait un travail vraiment équitable un travail impartial et c'est ça. Moi-même, au départ, moi-même des collègues, yo, parce que je dis, le travail ça, que nous faisons, ce n'est pas un travail pour le Sénat, c'est un travail pour la postérité, c'est un travail pour que chaque Haïtien qui, je dis, pourra le payer 3 milliards. Pas de motion encore. Il n'y a plus de motion sur l'intervention du sénateur de la tortue. C'est mais chaque Haïtien. Ou bien on prend une motion hein, après. Chaque Haïtien pourra le payer dans 3 milliards 200 millions. Et dette ça, nous connaît, même si on mourra à toi. Même si c'est 2%, là où il y a 3 milliards 200 millions, ça fait un pile quoi. Parce que, Président, on a information. 3 milliards 200 millions, c'est seul, en seule année en 2012, que nous avons un budget qui est égal à 3 milliards 200 millions. Tout budget, nous, il y a moins que 3 milliards. Donc, ça veut dire que, imaginons, plus en plus année fiscale, que vraiment, nous avons cherché trace que nous avons joindre. Et chaque sénateur doit prendre responsabilité par rapport à la question ça. Merci, Président. Très bien.